c'est ici Célandron pour le tout premier épisode de ma revanche, de ma deuxième partie de Age of Empires 2 H2 Edition. Et donc ça y est, on est reparti pour cette fois-ci une revanche en jeu standard. J'ai pas encore trop choisi pour le coup. La dernière fois on avait fait un régicide, un métal aléatoire complet, un style de carte réaliste, une carte... qu'est-ce qu'on va prendre? Roi de la colline, ça peut être sympa. Course à la merveille aussi, c'est question ressources, mais Roi de la colline permet de faire un peu de fight. Apprendre Roi de la colline, allez. Difficulté intermédiaire, autre joueur 3, et si on pourquoi pas, on pourrait pas jouer en équipe. Allez, on joue en équipe, c'est peut-être sympa. Faire équipe, ok. Équipe fixe, non. Toute technologie, non. On enregistre, oui. Les ressources, standard. Rêver de la carte, normale. Et l'âge de départ, standard. Allez. Civilisation. C'est quoi un aléatoire inv? Parce que c'est... Je l'avais jamais vu, tiens. Aléatoire 1. Ok. Bah, je sais pas ce que c'est. On va essayer, tiens, pourquoi pas. Aléatoire 1. Alors, je n'ai pas l'extension Forgotten Empire livrée... Enfin, qui a été livrée récemment sur Age of Empire 2. Mais je pense que je l'aurai pour la prochaine fois. Alors, ici est le dôme. Enfin, le monument qu'on a protégé. Alors allons-y, on va se préparer. Tout ce qu'il faut en fait, c'est aller comme c'est un roi de la colline, il faut aller simplement protéger et garder des unités autour du monument central. Donc, on est avec qui? Les rouges, c'est Dame Grand Crâne, qui ça peut bien être. J'ai plus assez de place dans ma population. Tiens, je sais ce que tu vas me faire, toi. Tu vas me faire un moulin. Ici, comme ça, ça ira plus vite. Ça sera plus pratique. Alors, toi, t'explores la carte, c'est bien. Alors, il y a Louis IX en bleu. Wen Chang Chang, je sais pas ce que c'est, si c'est Japon, Chinois ou pas. C'est possible que ce soit l'un des trois. Dame Grand Crâne. Mais c'est quoi comme... Maya. D'accord, c'est des Mayas. Ok. C'est donc les Mayas. C'est intéressant. Alors. On est parti. On est parti, on est parti. Alors, je compte bien gagner cette fois. Non. Je ma revanche. Je veux ma revanche. Alors, pourquoi toi tu fais le tour? Par contre, tu... faudra m'expliquer là, parce que... il y a l'air d'avoir un sacré truc à faire. S'il faut que tu fasses le tour comme ça. Alors, 50 nourritures pour le prochain. Toujours un peu long le démarrage. Alors, je sais pas où il va, mais il y va. Ben dis donc. Il fait un sacré détour quand même. Alors, niveau nourriture, il m'en faut plus. En attendant, toi tu vas y aller. Jamais garder un inactif. C'est contre-productif. Comment ça, t'es pas foutu d'y aller tout le mois, là? T'as fait tout le tour, pourquoi, alors? Tiens, viens par là. On va voir ce que ça donne. On n'a pas gagné la guerre, hein. Pom, pom, pom. Tiens, fais voir par là, il y a quoi? Quel des arbres? Ah, mais je crois que je suis sur la carte Oasis. Ah oui. Ah, ça change tout, là. C'est une carte où il y a... il y a plein d'arbres au beau milieu. Est-ce que tu peux passer? Ça, c'est la question qui tue. Qui protège en fait le monument. Je crois pas qu'il y ait d'accès en fait. Hein. Je ne sais plus quelle tête elle a la carte. Hop, on va faire de nouveaux villageois. Est-ce que tu peux passer par là? Non, tu peux pas passer par là, évidemment. Ouais, je sens que les gars, il va falloir qu'on se trouve une autre manière d'y accéder. Je crois qu'il y a un lac aussi au milieu. Oh là 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 là. Du coup, ça veut dire que je vais devoir envoyer des gens couper du bois ou trouver un moyen de le défoncer, enfin, d'enlever ce bois. Alors, niveau nourriture, ça commence à aller mieux. Par contre, je vais être à court de place rapidement.
Alors, toi, tu me dis qu'il y en a accès, peut-être. Non, c'est toujours pas le cas. Comment on va faire pour accéder à cette saloperie? Ok, bon, bah alors là, je sens bien quelque chose d'assez intéressant à faire, là. Hop, retournez tous ici. Et faites-moi un camp de bûcherons ici. Voilà. Si vous pouvez me faire un accès, ça serait génial. Bon, bah en attendant, toi, tu vas aller là-bas. Ok, toi, t'es là. On a besoin de... Évidemment, j'ai plus assez de bois. J'ai besoin de nouveaux bâtiments d'habitation. Hop. De nouveaux villageois. Bon, il y a intérêt à ce qu'ils se dépêchent là, parce que pour le coup, ça va être le premier qui fait son couloir. Il n'a pas trouvé d'accès. Je suppose qu'il n'y en a pas. On va bien voir. On va bien voir. Il va falloir que je mette pas mal de monde au bois d'ailleurs. Ça me fait penser parce que là... Ouais, les buissons qui vont bientôt partir rapidement. Faut vite que le, qu'il y ait plus de monde au camp de bûcheron parce qu'il va me falloir un sacré stock de bois pour les fermes. Tiens, vas-y. Hop, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ça c'est bon. Y a pas assez. Ok. Va falloir que je passe l'âge aussi. 500 de nourriture. Je peux que c'était... Ah oui, c'est vrai, c'est 500 de nourriture. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai joué. Et j'ai déjà oublié. C'est dingue. Voilà. Donc toi, je t'ai envoyé couper un arbre. Ah ouais, d'accord. J'avais oublié qu'il y avait des moutons. On va aller choper les moutons. On a qu'un seul? Ah non, on a quatre. Quand même. Ok. Ça c'est bon. Ouais, je me méfie de toi. T'as beau être une cavalerie d'éclairage. J'aime pas trop ça. Alors, toi, qu'est-ce que tu me dis? T'as quelques habitations, toujours en mode random. T'as quelques champs. Ouais, quelques. Beaucoup, quoi. Tiens, c'est allé par là-bas. Hop, tu vas me filer me chercher du bois. Il va me falloir que je me trouve une... Une mine d'or aussi. Hop. Ah bah tiens, plutôt que d'aller là-bas, tu vas revenir ici, tu vas nous aider à explorer un petit peu tout le... Tout le tour. Allez, c'est parti. On pète ces petits moutons. Je sais, c'est violent. Enfin. Alors, là, faut que vous me dégagez un peu de la place, parce que... C'est complètement bloqué. Ouais. Alors là, pour le coup, toi, tu vas pouvoir me faire... cette caserne. J'aimerais bien que vous me fassiez un tunnel plutôt qu'un rond tout autour. On va bien voir, hein. De toute façon. Ok, ils se dépêchent. Ok, d'accord, il y en a un qui est en progression vers l'âge féodal. C'est Wen Tixiang. Ok, d'accord. Moi, je suis évidemment bien dernier. Ils sont en train de défoncer les moutons, faut vite qu'ils aillent couper un peu plus de bois. Parce que là, c'est craignos. Ok, d'accord. Bon, ça ils sont allés avec moi. Mais c'est pas une raison. On va mettre des petites tours de guet. Je surveille un peu ce qui se passe. Hop. Évidemment, je vais être le dernier à passer. C'est génial. Alors. Là, ça avance. Il faut que j'atteigne les 500 nourriture. Pour débloquer. Ah bah tiens, il y a une mine d'or ici. Nickel. Pour débloquer l'âge suivant. Il le faut.
Alors niveau bois ici, il y en a pas mal, ouais, on est bon. Il y en a combien en nourriture? Je crois qu'il y en a autant. Il y en a autant, c'est peut-être pas la meilleure des idées d'ailleurs. Allez, posez-vous votre bouffe et je vais vous faire un... Oh! Des moutons. T'es tout seul? Oh, t'es tout seul! Hop! Ils vont aller s'occuper du mouton. Et après, on fera nos champs. Donc là, il y a de l'or, ça c'est bien. Là, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il pourrait pas y avoir autre chose? Alors toi tu m'as fait la tour de guet, c'est bien. Fais-la aussi ici. Par contre du coup le premier qui ouvrira le trou, il va... Enfin le trou, un accès. Tout le monde va se jeter dessus. Ça va être la galère. Ça va être la galère. Ah oui, je suis carrément au bord de la map là. Ah ouais, je pensais pas... Je pense pas que j'étais directement ici. On va mettre des tours de guet histoire de voir un peu. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Non, je vais la mettre là. Tu vois, là où c'est caché. Voilà, ici. Tu pourrais même trouver de la pierre. J'ai pas de pierre. Il y a, beau, il y a de l'or un peu. Mais je vais pas trouver de pierre. 478 évidemment. Est-ce que vous pouvez pas me chasser ce sanglier? Voilà. Oh par contre elle a failli tuer mon bonhomme là. J'attends un petit peu avant d'avoir les fermes. Allez ramenez-moi un max de bouffe. Je vais passer l'âge parce que je suis vraiment à la bourre. Elle a combien? 340. Je vais voir combien ça descend. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Allez de l'avant, écrasez nos ennemis. Nous verserons à votre personne autant de ressources qu'il est possible d'en amasser. Vous pouvez en prendre combien? 25? Ah mais je suis franc, j'avais pas regardé mon... J'avais vraiment pas regardé ma civilisation alors que d'habitude je fais ça. Attendez, ils l'ont complètement dépecé à eux tout seuls. Hein. Ah ouais, quand même. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il ferait plein d'allers-retours. Allez, tenez, je peux lancer. Non, vous arrêtez de chasser, ok? Vous arrêtez de chasser. Vous allez vous faire tuer. Pas ce que je cherche. Là, on peut lancer les fermes. Hop. Alors, non, toi t'as ta ferme. Toi t'as pas ta ferme. Hop. Non, toi t'as la tienne. Hop. Non, toi c'est bon. Yep. Voilà. La prochaine, il en reste une. Hop, on va faire quelques fermes de rab. Et dès qu'on a fini, on lance... Ah tiens, il reste toi. On lance le prochain... Non, comment dire. On lance de nouveaux villageois pour augmenter notre production de nourriture. Indispensable. Ah, il y a de l'or plus proche ici. Nickel. Ça c'est pas mal. Alors par contre j'aimerais bien que vous arrêtiez de d'aller trop loin. Je veux que vous coupiez du bois plutôt par là. Ouais quoique. Au final si vous pouvez me faire un super trou ça peut être génial. Voilà. On a passé un âge. Nickel. Je fais un dernier bâtiment. Je fais les hommes d'armes. Et des sérieux, ils passent déjà l'âge des châteaux. Oh mon dieu. Je vais me faire victimiser. Ça va être moche. Je suis à peine passé à la Chiodelle, ils sont déjà tous passés à la Chiodelle, quoi. Presque.
Évidemment, c'est mon allié qui est pas passé à l'âge des châteaux. Oh là là, je vais me faire victimiser. Ça va être assez violent, je sens. Il me faut des hommes d'armes. Sauf que j'ai plus d'or. J'ai clairement plus d'or. On va mettre la hache à double tranchant, ça améliore la vitesse de coupe. Ah, il faut que j'ai de l'or, de toute façon. Ouais, oh, c'est horrible tout ça. Allez, dépêche-toi. Ok. Okay, j'ai pas assez de nourriture, tout le mois là. Wow, wow, wow. T'es sérieux là? Il m'a donné énormément de nourriture. Je sais pas pourquoi. Oh mon dieu, il m'a fait super peur. J'ai cru que le jeu avait complètement bugué. Il m'a fait vraiment super peur. Ah bah, il y a de la pierre ici. Alors je vais poser le... ici, le marché. Non, c'est pas là. Hop, une mine. Allez me miner tout ça. Et pas miner ce tas, c'est miner tout ça. Oh oh, blague de merde. Vous avez le droit de mettre un pouce rouge à ce niveau-là. Enfin. Ouais, c'est toujours des pouces rouges, je crois. Oh, je sais plus. J'ai complètement oublié. Mais qui... je veux pas ton machin, je peux me débrouiller tout seul. Mais... il s'éclate. Depuis qu'il a trouvé le marché, j'ai l'impression qu'il s'éclate à envoyer des tribus, mon allié. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, quand même, hein. Allez. Miner un peu de tout. Et du coup, ça me permet de faire quelques miliciens de plus. Augmenter ça. Hop, un dernier. Je vais peut-être acheter un minage optimisé. Ok, d'accord. Bon, tu me verres tout ce qu'il faut, c'est génial. Par contre, toi, tu vas bientôt plus avoir... Mais calme-toi! Oh, il est en train de s'énerver à envoyer des tribus d'or, de pierre, de tout ce que vous voulez. Il va finir par plus rien avoir. Non mais calmez-vous aussi. Hein. Hein, vous n'avez pas à courser un... Hein. Mais au niveau du bois, je suis bien là, tu vois, ça va. Tu peux arrêter de m'envoyer des trucs. Il est grave. Il est complètement grave. Je sais pas ce qu'il a ce soir. Hein. Les ordi sont complètement graves ce soir. Alors. Toi. Vous êtes combien alors? Vous êtes pas assez. Ouais, si. Ah, ça les éclate vraiment. Hein. Du coup, avec tout ce que tu me fiches, je vais me faire quelques charrettes de commerce. Hein, histoire de... Ça me fait 65. C'est pas mal. Par contre, t'as rien, toi. T'as rien pour attaquer. T'as une forge, mais ça te sert à rien. T'as pas le matos. Ouais, par contre, on est d'accord, il n'y a pas d'accès. D'ailleurs, il n'y a personne qui s'est jeté dessus, donc je pense qu'il n'y a effectivement pas d'accès. Bon, bah, allons-y, alors. Hein. Hop. Hop, hop. On va envoyer la charrette. Ici. Alors, faut clairement qu'on passe. Ouais, c'est l'oasis, quoi. Commencer à faire un peu le nettoyage. J'aimerais qu'il fasse un peu mieux. Ouais, j'ai pas mal d'hommes d'armes, ça devrait aller. Hop, on va faire quelques fermes supplémentaires. Hop. Alors ça peut être intéressant pour voir les bâtiments plus loin. On va mettre quelques archers. Voilà, de toute façon ça me coûte que de l'or. Et la nourriture, d'ailleurs il va tout me rendre. Comment on parie que dans quelques minutes. Ouais, ça fait 20 minutes.
Voilà, donc fin de du premier épisode, je coupe la partie en plusieurs épisodes, hein, bien sûr, histoire d'alléger un petit peu le lot. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bon, d'accord, si vous voulez. Hein. J'ai de quoi me protéger, donc ça va. Ok. Voilà, donc fin du premier épisode, on se retrouve dans le prochain, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, tout ça, et puis à la prochaine, salut à tous !